Ah, là, j'ai peut-être quelque chose. Là, j'ai peut-être quelque chose. Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Ah, oui, je me vois. J'ai mon retour, c'est parfait. Mais je n'ai aucune idée de si on m'entend. Deux petites secondes. Si j'ai tout coupé comme son, c'est foutu. Oui, parfait, parfait. Eh bien, c'est parti, je disais donc que je ne savais plus où j'en étais dans l'histoire, mais qu'on allait essayer de désinfecter ça. Je suis branché avec un manette au PC. Et c'est le PC qui renvoie la PlayStation. Ne fous pas dans le passage. Ouais. Okay, Non, vas-y, arrête de râler, je crois que tu passes à côté. Non, on a dit que j'ai l'enfant qui est une partie de la plus gare. J'attends que je ferme un peu le voisin. Bon, il n'y a pas d'essence, mais il y en a là où je vais. Ouais, carrément. Donc, on va tenter un truc. 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 Salut, t'as besoin de quoi ? Un petit instant, j'ouvre le portail. Hey, dis, ça fait un moment que j'ai pas vu Boozer. Il est dans le coin. Je crois qu'il bosse surtout pour Copland ces derniers temps. Dis-lui de ma part qu'il faudra qu'il bouge un peu son cul. Et qui bosse aussi pour moi. Entendu, je passerai le message. On va pas aller loin avec une à la fois. Y'en a qu'une, c'est ça? No problemo. À plus. Ouais. Nick, tu me reçois ? Boozer, pourquoi t'es pas au pieu, bordel ? J'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Dans le tunnel. Va pas là-bas, Nick. Ça te fait perdre les pédales. Boozer, écoute, je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout. Que je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et les tulipes, c'est pour les mutants aussi ? Je les ai vus, Nick. Sur la table, ce matin. Les mêmes qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Écoute, Boozer. Repose-toi. Faut que j'y aille. Terminé. Et c'est pas des tulipes, Boozer. C'est du sédum. Rien à voir. Je vais quand même essayer ma station. Je vais
C'était pas carré, c'était pas R2. T'as besoin de quoi? Salut mec. Je peux pas entrer là, il faut que je sorte du camp avant le petit dialogue. Doucement, ouvre les portes. Nick, reçois. Bowser, pourquoi t'es pas au milieu, bordel? J'arrivais pas à dormir. Je me souviens de ce que je t'ai dit. Dans le tunnel. Va pas là-bas, Dick. Ça te fait perdre les pédales. Bowser, écoute. Je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout. Que je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et Tulip, c'est pour les mutants aussi. Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Les mêmes qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Écoute, Bowser. Repose-toi, faut qu'il y aille, terminé. Et c'est pas des tulipes, Bowser, c'est du sédum, rien à voir. On a du travail pour toi. Salut Tucker. Ok, je passerai quand je pourrai. Terminé. Saint John, ici Tucker. Comme je te disais, ça fait un moment que j'ai pas vu Bowser dans le coin. T'es sûr qu'il va bien? Ici Deacon, Bowser va bien, je t'ai dit. Il est juste occupé. Sûrement à rouler pour ce fils de pute de Mark Copland. J'ai comme l'impression que Bowser me porte pas dans son cœur. Je te l'ai dit, je suis pas sa régulière. Ah!
Et on recommence à la sauvegarde. Bon, ben, on se donne le jeu. Hein. Besoin d'un truc ? Ça va? Attends. Comment ça va? Nick, bonsoir. Bowser, pourquoi t'es pas au milieu, bordel? J'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Dans le tunnel. Va pas là-bas, Dick. Ça te fait perdre les pédales. Bowser, écoute, je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout. Que je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et les tulipes, c'est pour les mutants aussi? Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Les mêmes qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Écoute, Bowser, repose-toi, faut que j'y aille. Terminé. Et c'est pas des tulipes, Bowser, c'est du sédum. Rien à voir. Bien compris, j'arrive. Terminé. Ouais, c'est vrai, j'ai pas encore fini de brûler les nids restants. C'est encore là. Et combien d'années il faudra pour que tout ça disparaisse enfin? Génial, le camp réfugié. Tu parles, vous en seriez mieux sorti dans le Mansland. Le Nero vous a laissé dans la merde. Ça fait un moment que j'ai pas vu Bowser dans le coin. T'es sûr qu'il va bien? Ici Deacon, Bowser va bien, je t'ai dit. Il est juste occupé. Sûrement à rouler pour ce fils de pute de Mark Copland. J'ai comme l'impression que Bowser me porte pas dans son cœur. Je te l'ai dit, je suis pas sa régulière, terminé. Tucker à Deacon St. John, tu m'entends? J'ai parlé à Al-Kai l'autre jour, entre autres. Je sais que tu bosses pour le camp. Je voulais simplement te remercier pour ton aide. Ok.
ça, la magie. Ça t'a plu? Ici. Vous m'avez compris. Allez vous nourrir où vous voulez, mais pas ici. Ce camp est à moi. Vous êtes pas chez vous. C'est compris? Ouais, c'est ça. C'est fini pour vous. Bienvenue au camp.
Encore un de ces micro-enregistreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alerte! Alerte! Ici le camp de réfugiés 13 Delta, à l'ouest de notre ligne d'attaque! Nous sommes envahis! Hitler! Je fais ce que je peux pour qu'ils viennent nous chercher! Ferme! J'essaie de... Je répète, ici le camp de réfugiés 13 Delta! Nous sommes envahis! Vous le savez? Donne-moi ça! Qu'est-ce que tu fais? Lâche! Donne-moi! Lâche! La radio! Vous m'avez compris. Faire quelque chose. Salut, chérie. Ouais, j'ai fait le ménage. Ils viendront plus t'embêter maintenant. Salut, c'est encore moi. Revenir et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille comme ça. Attends, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hey, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse, tu te souviens? Ouais. Deacon, attends. Ça va, viens. Il y a une gosse, là. Attends. Hey. Hey, ça va? Allez, viens. On va retrouver tes parents, d'accord? C'est vraiment génial. Allez. C'est pas vrai. C'est grave. Je sais pas, non, je pense pas. Bordel. Bon, alors, appuie ici aussi fort que tu peux. Tu peux courir? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On y est presque. D'accord. Il y a 2 heures, ça grouillait de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie.
Comment tu te sens, petite sœur ? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Il faut le filer avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ces hélicos. Mais je m'en occupe. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup, ma petite sœur, tu comprends ? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Ah, souvent, elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain, regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce ? Oui. Dans 12 heures ? Ouais, je viens, trouve-nous une sortie. Écoutez-moi, ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez ! Un hélico. Vous l'avez tué ! Écoutez, vous avez tué ma femme ! Oh non, 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 écoutez, je sais rien au sujet du meurtre de votre femme et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout. Non, mais c'est con ! Vous avez tué ma femme ! Vous avez tué ma femme ! Merde ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital ? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires ! Écoutez, je suis en dernière année, ok ? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là ! Brian ! Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok ? Deux ! Quoi ? Vous avez de la place que pour deux ? On est en surcharge, ok ? Je peux en embarquer que deux, c'est tout ! Ok. Allez, aidez-moi, allez ! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans le grand du gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais vous tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai ? Hein ? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés, Swiftinger Jack, à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Les appels reviennent. Vous venez ? On décolle. Non. Ah, putain.
sois tranquille, d'accord? Je reviendrai te voir et... Oui, je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Faut croire que Boozer a raison, je peux pas m'en empêcher. Comme je t'ai dit, je reviendrai. Boozer, un autre hélico du Nero. Qu'est-ce qui trafique? Dick, t'es là? J'avais du temps à tuer. Je t'ai fait des trucs. Oh, Boozer, c'est génial. Ouais, j'en aurais besoin. Terminé. Tel que la ferraille. Ok. Ouais. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Aujourd'hui, je pensais aux origines de tout ça. Les racines remontent loin, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 1947, les fédéraux ont adopté le... Comment ça s'appelait déjà? Le National Security Act. Le but du truc, c'était de donner aux fédéraux le droit de prendre le contrôle de nos routes, de nos chemins de fer, de nos radios, de tout ce qu'ils voulaient, en gros. Sans aucun mandat. Aujourd'hui, les fédéraux ne sont plus. Mais nous, on est toujours là. Pour faire briller la vérité sur le monde. En vérité, je l'avais vu venir. Depuis des années, on voyait les photos de camp de la mort du Nero, construits pour détenir des citoyens américains. Personne ne m'a cru. Si on avait été plus nombreux à l'ouvrir, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais je peux vous dire que ça n'arrivera plus. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. En tout cas, t'as raison pour une chose, Cope. Tous ces camps de réfugiés du Nero, c'était des camps de la mort. Mais juste pas comme on l'aurait cru.
moyen. Changement de main. Qui ont essayé de me piéger. Lâche-moi, ok? Je chasse du mutant, tu piges ça, Boozer. Mes primes, c'est uniquement pour ça que j'y retourne.
Shit! Ouais, c'est comme ça. Mais non. T'y es retourné, c'est ça, hein? Alors que je t'avais dit de pas y aller. Oh, lâche-moi, ok? Je chasse du mutant. Tu piges ça, Boozer? Les primes! C'est uniquement pour ça! Uniquement pour ça que j'y retourne! Merde! Des cavaleurs! Chier! Attends, ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. C'était juste des coups de semence. Si t'avais voulu me tuer, je serais déjà mort. Nick, tu te rappelles ce que je t'ai dit au sujet de tes pulsions suicidaires? Ouais, je le gère. Terminé. Yeah.
Brûle, sacré mutant. Rends-moi ça! Cette petite merci à moi! Enfin! Putain! Ces saloperies sont rapides! Bon, qu'est-ce qu'ils foutent? On dirait qu'ils étaient par là. Merde, à manipuler des mutants, je sais pas trop. Ils avaient un tétard dans une sorte de collet, on aurait dit qu'ils lui posaient un mouchard. Hein? Comment ça, manipuler? Tu sais, ils l'avaient attaché. Ils faisaient des prélèvements sur lui. Un peu comme dans les documentaires animaliers, c'était assez tordu. Ils sont carapatés quand des grouillants ont débarqué. Ils ont laissé de l'équipement derrière eux, une radio. Attends, tu crois pas que... Sarah ? Non, c'est... Je sais pas. Mais il est en vie, Boozer. Il est en vie, O'Brien, un des mecs du Nero. Je vais essayer de le retrouver. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Ok. Écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route. Je pourrais t'aider, Dick. S'il est vivant, on le retrouvera, cet enfoiré. Tu l'as dit, ouais. On se reparlera plus tard. Terminé. Ok, O'Brien. Où tu te caches, enfoiré? Salut. Salut. Je suis comme qui dirait perdu. Vous pourriez m'aider? Vraiment? Vous êtes perdu? Ouais, cherche la vieille route de Belknap et ça manque un peu d'indication par là. Sérieux? Vous vous payez ma tête? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh. Il manquait plus que ça. C'est super. La grosse éclate. Et sinon, vous m'enseignez? Quoi? Oh, pardon, j'ai jamais entendu parler de Belknock, Belknack, Belny... Belknap. Belknap, ouais, c'est ça. Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non, alors? Navré. Ok, bon, merci quand même. Hé hey! Vous dépose quelque part? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Et moi, Deacon. Oh, désolée pour le cambouis. Comment je fais pour monter? C'est pas sorcier, il suffit de... C'est enfourcher, ça. Ok, ouais. Tout le monde en selle. Si je... Ouh! Ouh! Ok. C'est bon. Hey! Tenez-vous à moi. Merci beaucoup.
Pas de soucis. C'est juste que... il y a pas de bar ici, alors. Mais si, il y a chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route, il y a aussi... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici. J'avais compris. Bien sûr, je vois. Bon. Alors, que fait une fille comme vous dans un endroit pareil? C'est drôle, je me pose souvent la même question. Je bosse dans la recherche. Vous savez, j'étudie des choses. Merci, je voyais pas du tout ce que c'était la recherche. Désolée, je m'occupe des plantes. Vous étudiez les plantes? Oui. Juste... Oh, bon sang, c'est pas passé loin. Ça va, vous êtes sûr? Oui, c'est le choc. Oh, la vache. Hey. Bonne nouvelle, je capte. Salut. Ouais, ça va, mais... la bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Je suis sur là, je sais pas, sur une route paumée. La route 42. Route 42. Ouais, 1,5 km. Ok, on se voit quand t'arrives. Allez, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Je sais pas trop. Pas de soucis, je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, ok, alors... ok, c'est bon, on y va. Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord? Vous étiez pas vraiment perdu, pas vrai? Bah, ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc vous êtes pas du coin? Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà... parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste. Je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié. Enfin bref. La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bio-ingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares. Et il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Eh ben ça, ça m'embouffe carrément à quoi? Quoi encore? Fleet! On a de la compagnie! Fais-moi le malin, là, hein. Tu te prends pour qui? Un putain de méchant motard, hein? Fais-tu la gueule? Alors, t'aimes ça, ma poule? Tire la gueule. Joue moins les gros bras, hein? T'apprendras jamais, pas vrai, ma gueule? On va t'apprendre. On va te donner une leçon. Allez! C'est sans moi, je me casse. Attends. Roule, bordel, roule. Oh mon Dieu. Oh non. Oh mon Dieu. Hey. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a... Je fouillais dans votre sacoche et je l'ai vu et... Oh mon Dieu, j'aurais pu tuer quelqu'un. Ben... Oh merde. C'est pas faux, mais il aurait fallu viser quelqu'un d'abord. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Je l'ai vu dans votre sacoche. J'ai essayé d'appeler la police. Vous avez bien fait. C'est capté, j'avais plus de signal. Voilà ce qu'on va faire. Je vais rester avec vous ici et attendre que votre ami arrive. Merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un truc de ce genre.
J'aurais pas cru. Ah ouais? Dérouillé quand même, Deacon, hein? Pauvre Deacon. Je pense que c'est un moment de jeu. Arrive. Docker, camp de Hot Springs, vous me recevez? J'ai besoin de plus d'infos sur la survivante que Larsen a repérée à Marine Force. Deacon, je t'ai dit tout ce que je savais. C'est une jeune fille. Attends, il a parlé de chez Angry Jim, le vieux resto à pancakes près du Pont Est. Le bûcheron, il est la pile de pancakes. Ouais, je vois où c'est. Ok, je vais commencer par là. C'est ça. Et n'oublie pas, tu dois me la ramener. Les drifters sont passés l'autre jour, ils nous ont vendu quelques armes. Ça t'intéressera peut-être. Ok, j'y penserai. Terminé. Essence. C'est pas trop tôt. Saloperie. Ah, et voilà. Voilà. Tu vas bien me servir. Ok. J'étais pas sûr que tu reviendrais. T'inquiète, j'allais pas t'abandonner. Il commence à faire jour. Ouais.
Je vais juste fermer un peu les yeux. Je suis prêt à m'y remettre. Je change de jeu. Je sais pas si j'ai changé toutes les...